Voilà. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si jamais vous ne m'entendez pas, de toute façon, il y a Kimi, la modératrice, qui va modérer le chat en direct et Twitter aussi, et qui me dira qu'elle n'entend rien depuis tout à l'heure et que je parle dans le vide. Donc là, on est au Festival des mondes de l'imaginaire. On est au deuxième étage. Le Festival des mondes de l'imaginaire, c'est à Montrouge. C'est un rendez-vous annuel qui est organisé par David, Marie et Jean, et que je remercie de m'avoir invité, parce qu'on y était déjà l'année dernière. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de ma plateforme, Infinite RPG, qui est en ligne. Et en fait, je suis accompagnée de Ronan et de France. Donc, c'est dans ton pseudo sur Infinite RPG, c'est quoi, Ronan, déjà? C'est 84. Run84 et France, c'est ça, non? C'est pas Kendall, ok, c'est France. Et France, voilà, que je filmerai peut-être tout à l'heure. Et là, là, on va voir que moi. Donc, pour recontextualiser. Alors, Infinite RPG, qu'est-ce que c'est? C'est une chouette aventure qui a commencé déjà depuis 2013, en fait, finalement. L'idée a germé en mai 2013, en fait. Moi, je fais du jeu de rôle sur forum depuis 10 ans, en fait. Donc, ça fait plus maintenant. Enfin, j'ai pas envie de calculer. Donc, voilà. Je vous laisserai calculer. J'ai 26 ans. C'était en 2013 que c'était, même avant. Enfin, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, l'idée que j'avais, c'était de faire connaître le jeu de rôle textuel, le jeu de rôle sur forum, parce qu'à l'époque, je pensais que ça se pratiquait que sur forum. Et je me suis dit que pour ce faire, il fallait peut-être qu'on se réunisse, qu'on se mette tous ensemble, et que c'est comme ça qu'on sera visible, en fait. Plus on sera nombreux, plus les gens nous accorderont de l'importance et nous trouverons qu'on est crédible. Et aussi, je me suis dit peut-être qu'il y avait peut-être un souci d'interface, peut-être que les forums, peut-être que Facebook, peut-être que Twitter, donc les différentes plateformes sur lesquelles on peut faire du jeu de rôle par correspondance, du jeu de rôle textuel, peut-être que ça ne correspond pas au grand public. C'est une interrogation que j'ai eue, en tout cas. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Donc, à voir. Bah justement, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, j'ai commencé cette aventure à ce moment-là. J'ai lancé d'abord un blog collaboratif en janvier 2014. Il y a une vingtaine de rédacteurs, du coup, qui envoient des conseils d'écriture, des conseils sur le jeu de rôle, sur comment on fait de l'écriture à plusieurs, à quatre mains, etc. Ensuite, c'est devenu un réseau social en avril 2015. Donc, vous pouvez créer votre profil et rencontrer d'autres rôlistes, d'autres joueurs. Et on va voir ça tout à l'heure. Et depuis décembre 2016, officiellement depuis janvier 2017, on a la plateforme qui permet donc de jouer ces personnages et d'écrire surtout en ligne en version bêta. Donc, il y a encore quelques bugs, il y a encore des choses à améliorer, mais justement, on va voir ça ensemble. Et je me dis que ce tutoriel en live peut être utile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un chat en direct, il me semble. Et sinon, sur Twitter, on vous répond. Voilà, ben, on va commencer par le début. Donc, hop, vous voyez, je crois qu'il faut que je partage mon écran. Oui, je suis un peu. Alors, je vais partager mon écran. Oui, on est samedi matin, 11 h, c'est difficile. Merci de nous suivre d'ailleurs. Oh, oh, c'est Inception. Voilà. Donc c'est bon. Là, on voit le. Voilà. Voilà Infinite RPG, mon site tout beau, tout beau. Qui va bientôt changer, mais je montrerai les maquettes à la fin de. Non mais en beau aussi, hein. Je parle trop vite. Bon, alors je vais aller doucement. Donc voilà l'interface, en tout cas, infinitrpg.fr. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a commencé par le blog, qui a une nouvelle adresse, mais ça ne change rien du tout, mais c'est blog.infinitrpg.fr maintenant, qui a aussi eu un petit home, c'est quoi, du home stage. On a changé un peu le design vite fait. Et en gros, là, l'idée, c'est que vous nous rejoigniez dans la communauté de joueurs, de rôlistes. Juste un aparté, donc le jeu de rôle textuel, c'est une forme d'écriture collaborative, une forme de jeu de rôle par correspondance. Donc, des personnes à plusieurs qui vont créer leur personnage et qui vont écrire chacun à leur tour les histoires de leur personnage. Ça, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour vous expliquer ce que c'est, et on va voir concrètement ce que c'est sur ma plateforme. Parce qu'il y a vraiment plein de manières de faire du jeu de rôle. Il y a des gens qui jouent avec des dés, des gens qui jouent sans dés, des gens qui vont utiliser l'écriture, mais qui vont aussi allier l'oral. Il y a vraiment plein de manières de jouer. Il y a plein de plateformes aussi, des gens qui vont jouer sur forum, des gens qui vont jouer sur Facebook. Enfin, c'est très large, c'est très infini. C'est d'où le nom de la plateforme. Donc, on commence par où? On commence par s'inscrire. C'est le bouton inscription. Là, en fait, ce qu'on demande, c'est votre pseudo. Donc, un pseudonyme, c'est comme quand vous signez
enfin, votre nouvelle, ou alors c'est vos tweets, donc un pseudonyme, quoi. Votre email, parce que vous en aurez besoin pour après vous confirmer votre adresse, votre date de naissance. Alors, en fait, pourquoi on demande la date de naissance? C'est parce que, justement, on va orienter après avec la plateforme tous les jeux de rôle qui ont un contenu adulte. Et ben, du coup, il y aura une sorte de pop-up d'avertissement pour ceux qui ont moins de 18 ans pour leur dire bah, passez votre chemin, attendez encore quelques années avant de venir. Ou alors, même si vous êtes adulte, il y aura quand même une pop-up d'avertissement pour dire voilà, vous êtes averti, là, vous arrivez sur du contenu adulte. Et on va voir ça tout à l'heure, comment ça se passe. Le mot de passe, confirmer le mot de passe, j'accepte les conditions générales d'utilisation. Donc, n'hésitez pas. Je sais que, je crois que la page mention légale est très populaire. J'ai regardé sur Google Analytics, plein de gens qui vont voir les mentions légales. Ah, d'accord. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont voir pour... c'est la lecture, quoi. C'est intéressant. Bon, il n'y a rien à... En tout cas, il n'y a... Sur n'importe quel site internet, les mentions légales sont intéressantes. Bah oui, mais je te jure que dans Google Analytics, eh ben, c'est la page, l'une des pages qui est le plus visitée. Ah, je sais pas si, mais je pense qu'on entend un peu en écho. Mais en tout cas, il n'y a rien à cacher, vous pouvez aller voir. On a fait faire les mentions légales par un juriste en propriété intellectuelle, parce qu'on est quand même dans le cadre d'écriture, etc. Donc, vous pouvez aller voir. Bref, une fois que c'est fait, vous êtes inscrit, vous connectez. Et donc, je vous invite à vous connecter. Vous êtes déjà connecté, c'est très bien. Donc, moi, je me connecte. Non, pas encore. Bon, bah, on attend Kandal. Je vais juste vérifier un petit truc. Ah non, c'est bon. Je voulais juste voir. Là, du coup, vous voyez mon écran. Donc, vous voyez où je suis. Comment ? Il y avait une boîte de dés ? Ouais, ouais, c'est trop bien. Hein. Ouais, les D6. Mais il y a des D6 en chocolat aussi. Il y a des dés. Oui, bah, ça fond. C'est vrai que c'est pas pratique. Tu peux pas jouer avec. Oui. Bah pour avril, ça peut être bien. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Ah ouais, hey, pour le Pâques. Le décide de Pâques. Ah oui, d'ailleurs, les Infiniteurs qui nous regardaient, à la fin, on va parler d'un challenge que je voulais vous proposer, c'est les Egg Hunts. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, je reprends. Donc, une fois que vous êtes connecté, donc je rappelle à nouveau que l'interface va changer, mais pour l'instant, je vous fais un petit tutoriel de ce que c'est maintenant. Donc, normalement, si vous arrivez, donc vous avez ce panneau d'affichage, ce gros panneau d'affichage qui va aussi évoluer. Et en fait, donc ce panneau d'affichage vous permet, donc déjà vous accueille, c'est plutôt agréable, et vous dit en fait qui sont les petits nouveaux. Donc si vous voulez vous abonner aux nouveaux inscrits sur Infinity RPG, ça vous donne aussi les clans, donc les groupes de discussion qui ont été créés ou qui sont le plus populaires. Et, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça change dans les deux. Oui ? Pourquoi c'est truqué ? Mais non, je te jure que c'est même pas truqué. Je te jure, hein, c'est les plus fréquentes. Mais je sais pas sur quel algorithme. Je crois que mon développeur, il a basé ça sur le nombre de membres inscrits. Donc, je crois que ouais, voilà. Les plus fréquentés, c'est ceux qui ont plus de nombres. Oui. Et après, apparemment, voilà. Et après, suivi par science-fiction et donc de Mad. Mad, d'ailleurs, si tu nous écoutes, voilà, tu es en troisième position quand même. Hein. Et bref, j'ai envie de RP, c'est Ellie qui a fait. Tu te rappelles ? Non ? Bon, bah, coucou à Ellie en tout cas. Ok, France vous aime. Elle ne vous connaît pas, mais elle vous aime. Et en fait, vous voyez aussi donc, les plus récents, les derniers clans qui ont été créés. Et enfin, article à la une, c'est juste pour un petit rappel du blog, juste le dernier article qu'on met en valeur. Et après, il y a les petits boutons, les événements à venir. Voilà, Save the Date, donc Festival des mondes de l'imaginaire auquel on se trouve aujourd'hui. L'atelier IRL qui aura lieu mardi soir et les autres tous les mois à venir, tout est écrit. Et en fait, première question qu'on me pose souvent, mais que j'ai pour ça que ça va évoluer, comment est-ce qu'on enlève ce panneau qui est assez envahissant, je peux comprendre. Vous cliquez en haut à droite, réduire le panneau. Voilà. Oh, et ouais. Et oui, première. Ah, c'est utile, hein, ce tutoriel. Hein. Tu l'avais déjà. Ah bah tant mieux. Mais si tu veux le rafficher, en tout cas, c'est en haut à droite. Afficher le panneau, réduire le panneau. Voilà. Donc voilà. Et donc on se trouve sur la partie réseau social ici. Le réseau social, donc c'est ici où vous allez poster vos petites anecdotes du jour. Vous allez parler. Donc là, c'est un petit l'encadré, l'encart là, sert à raconter vos histoires. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui sur une
Infinite RPG, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui sur vos forums, qu'est-ce que vous avez fait, enfin, vous racontez votre vie. Vous pouvez même faire la promotion de vos jeux de rôle, si vous cherchez aussi des personnages, ou si vous voulez, vous cherchez des joueurs, n'hésitez pas, Infinite RPG, on est là pour parler de soi, et je sais que c'est quelque chose qui, enfin, surtout en France, j'ai l'impression que c'est un peu gênant, on dirait, de faire de l'autopromotion, mais non, ici, vous pouvez, enfin, n'hésitez pas à parler de vos projets, c'est intéressant sur Infinite RPG, l'idée, c'est que vous parlez de vos projets. Et en plus, on a des petits stickers à utiliser qui sont en partenariat avec, qui ont été proposés par Filigo, notre partenaire, et qui sont très sympas. Et je crois que celui qui a le plus de succès, c'est le navet là. Enfin, non, lui là, non, lui là. Je sais pas comment il s'appelle. Et donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Je vais mettre un petit mot, tiens, en direct pour le tutoriel d'Infinite RPG. Et je vais mettre le petit lien pour rappel. Ah non, je l'ai pas. Il est où ? Ah, il est là. Hop. Donc voilà, j'ai posté et voilà. Et après, vous pouvez voir du coup toutes les personnes qui ont posté, tout, donc les personnes auxquelles vous êtes abonné. Donc pour vous abonner, tout simplement, vous cliquez sur rechercher, clan ou release, qui est tout en haut, le petit encart là. Vous cliquez sur la loupe. Enfin, sauf si vous avez déjà quelqu'un en tête ou le nom d'une personne. Moi, je cherche France, par exemple. Je tape France. Je fais entrer et je la trouve. Et donc du coup, ici, bah. Donc imaginons que je ne m'étais pas abonné à France. Oh. Alors, si ce n'est pas déjà fait de votre côté, eh ben, vous allez sur le profil de France et vous cliquez sur « S'abonner ». Et maintenant, vous recevrez toutes ces actualités, tous ces derniers posts sur le fil d'actualité. Pareil pour Renan. Hein, donc, c'est Ren 84. Ben, imaginons que vous n'étiez pas abonné encore. Eh ben, maintenant, c'est chose faite. Vous cliquez sur « S'abonner ». Voilà. Et en fait, vous pouvez faire une recherche encore plus précise. Vous pouvez chercher par email. Donc, si jamais vous avez des contacts rôlistes ou des auteurs en herbe, que vous pensez qu'ils sont sur Infinite RPG, mais vous n'êtes pas sûr, vous tapez leur email et vous devrez les trouver. Oula. Vous pouvez trouver aussi par ville. Et ça, c'est l'année dernière, c'est notre stagiaire Adama et aussi le Studio Connecté, qui est une agence qui travaille avec nous, qui ont mis en place ceci. Donc, vous pouvez chercher par ville, donc tous les rôlistes de Paris. Même, vous pouvez commencer à taper Paris et voir toutes les villes possibles. Donc, il y a Paris, Pariso, Ville Parisie. Donc, vous pouvez trouver tous les rôlistes. Vous pouvez chercher aussi selon leur goût. S'ils aiment du fantastique, s'ils aiment le fantasy, s'ils aiment l'horreur. S'ils font du jeu de rôle sur table, du jeu de rôle écrit, grandeur nature. Vous pouvez aussi voir sur quelle plateforme ils pratiquent le jeu de rôle écrit. Donc, sur forum, sur Tumblr, sur Google+. Il y a des gens, l'auberge virtuelle. Mais beaucoup d'anglophones plutôt. Ouais. Beaucoup d'anglophones qui font sur Tumblr, ouais. Mais ça, il y a eu des tentatives, on va dire. On a même un article sur le jeu de rôle par Tumblr sur le blog. Si, voilà, c'est intéressant la manière dont c'est fait. Donc vous pouvez cliquer. Vous pouvez même dire je cherche des gens qui sont disponibles tout le week-end, des gens qui sont disponibles tous les jours, des gens qui sont jamais disponibles, donc absentéistes. Je ne sais pas pourquoi on chercherait ça, mais pourquoi pas. Vous pouvez même chercher des gens qui utilisent le système de dés, des gens qui disent que non, eux, ils n'utilisent pas le système de dés. Ils peuvent même choisir aussi le type d'avatar qu'ils préfèrent, les photos, les illustrés, bref. Vous cliquez sur rechercher. Ah, bon, là, il n'y a aucun rôliste qui s'appelle Ron84 qui habite à Paris ou qui aime le fantastique et le fantasy. Non, non, j'étais un peu... ouais. Je vais faire Paris, je vais enlever ça et je vais faire rechercher. Et non, il n'y a personne. Personne à Paris qui aime tout ça. Bon, hop. Vous pouvez aussi chercher des clans, donc des groupes de discussion en rapport avec une activité que vous aimez bien. Et ah oui, alors, bien sûr, quand vous vous inscrivez sur Infinite RPG, donc allez commencer par remplir votre profil. Donc, vous cliquez sur profil, compte principal. Et si vous ne le remplissez pas, et ben là, on ne pourra pas vous trouver. Bon, après, si votre but, c'est qu'on ne vous trouve pas, de toute façon... mettez-vous en profil privé. Et c'est possible hein, sur Infinite RPG. Vous allez dans confidentialité et vous dites public privé. Et on vous ne trouvera pas sur Infinite RPG. Et si vous le trouvez, que vous voulez que ce soit public et lisible, bah, ça veut dire que tu peux oui. Rien faire avec, avec ton profil privé, si tu peux suivre des gens qui, eux, sont aussi privés, mais qui en gros, tu peux suivre d'autres personnes. Oui, mais du coup, les personnes, elles peuvent te suivre. En fait, elles te demandent l'autorisation de te suivre. C'est ça, si tu es en public, en profil privé. Voilà. Tu peux aussi rejoindre des jeux de rôle, tu peux rejoindre des clans. Voilà. C'est juste qu'au moins, on ne te trouve pas et on te laisse tranquille normalement. Normalement. Donc, pensez, quand vous vous inscrivez, à remplir ces informations-là.
C'est facultatif, hein, vous avez, y a rien qui est obligatoire, sauf le pseudo et la date de naissance. Le reste est facultatif. Donc, vous pouvez indiquer votre prénom, votre nom, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment comme ça. Voilà. Le genre, donc ça, j'avais vu avec Mademoiselle Cordélia, qui est une rédactrice d'Infinite RPG, à donner, enfin, est-ce que je donne le choix ou pas, enfin, et donc, elle m'a conseillé de mettre genre et de laisser libre. Donc, en effet, on a des trucs un peu bizarres, des fois, qui sortent, mais bah, l'idée, c'était d'être un peu ouvert LGBT, qu'il n'y ait pas de... Coucou, Mélisande! Salut, ça va? Oh, Opal, c'est de la balle. On est en direct sur YouTube. Ouais, je suis en podcast. Ouais, t'as vu? On se revoit tout à l'heure. Salut. On a eu Mélisande d'Opal Rollis qui est venue nous voir avec un nouveau t-shirt que je ne connaissais pas, donc sympa. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, n'oubliez pas de, en effet, de renseigner bah, les genres de jeux de rôle que vous préférez, les formes de jeux de rôle que vous préférez, les plateformes. Peut-être que c'est très exhaustif. On va en revoir aussi bientôt dans la refonte graphique très prochainement quand j'aurai le temps. Il faut que je trouve le temps pour améliorer ça. Bah, c'est très exhaustif, oui. Ouais, mais après, on coche ce que l'on veut. Je vois, par exemple, oui. Rien à voir avec le jeu de rôle, mais Netflix, c'est sur Netflix. Un bordel. Ouais. Justement, les tags, ils sont ouais. Tout pratiques. Oui, quand tu cherches, oui. Enfin, ils t'envoient, c'est vraiment très fou. Oui, recommander pour vous, des fois, c'est des tu trucs. Ça, puis tu mets des films, il y en a, ça va. Puis... Mais ce qui est marrant, c'est que. Bah ouais. C'est vrai que mon compagnon et moi, en fait, on utilise le même utilisateur pour Netflix. Et donc, c'est vrai que moi, je regarde des dramas, je regarde des comédies romantiques, oui, des choses comme ça. Plusieurs profils, c'est pas... Ouais, mais en fait, on aurait dû faire ça parce que du coup, mon compagnon Yannick, Yann Bou, qui est développeur si c'est une fille RPG, et ben il reçoit des recommandations. Allez voir Harry rencontre Sally, Harry et Sally, tout ça, il lui fait. Non mais moi je veux pas voir ça. Et moi à l'inverse, tout ce qui est zombie, tout ce qui est manga violent, etc. Je les reçois en recommandation. Je fais non, moi je veux pas voir ça. Donc ouais, non, c'est vrai que au moins c'est exhaustif. Peut-être à revoir juste l'ergonomie du truc. N'hésitez pas à nous faire vos recommandations. Donc dans notre clan Infinite RPG Community, nous dire qu'est-ce que vous voyez. Il y a peut-être beaucoup de choses. Ah oui, ça on m'a dit attention, hein, c'est pas pareil. Hein, c'est vrai. En France, c'est ouais, fantastique, fantasy, on ouais. Et ouais. Donc bon, à voir si vous avez des suggestions. Moi, je connais pas, j'aime pas ça. Toi, tu mets policier, toi, voilà, c'est ça. Moi, c'est policier, thriller, réaliste. D'accord. Ah, ouais. Tu les indiques et dans ton profil. Il n'y a pas les mangas. C'est sûr, tu devrais trouver une situation, ça s'appelle 113, c'est que de la policier. C'est drôle. Après, à Paris manga. Mais après manga, mais manga, c'est divers, il y a plein de choses. Mmh. L'avantage c'est qu'il y a tout dans les mangas. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment tout. Même si t'es fan de tennis, tu vas trouver un manga tennis, hein. Ça c'est sûr. Satisfait de ce qu'il y a dedans. Pourquoi pas. Déprimé de tes capacités derrière. Oui, moi, j'aime pas le tennis donc ça va. Enfin, j'aime pas. Je voilà. Un mouchoir. Je crois que j'en ai. Attends. Petite interruption. Mouchoir. Non, non, pas de problème. Peut-être dans ma poche de manteau. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, n'oubliez pas, en tout cas, dès que vous commencez à créer... Attends, ah, bah c'est bon alors. Parce que moi, je cherche. Et j'en avais, mais j'en ai plus. Donc, quand vous vous inscrivez, pensez à remplir votre profil, s'il est public, en tout cas, pour que les gens puissent vous trouver, les Infiniteurs, puissent vous trouver et puissent vous proposer des choses qui correspondent à ce que vous recherchez, quoi. Il y a aussi un onglet qui s'appelle Web, et là, ça vous permet justement d'afficher sur votre profil bah, vos liens, quoi. Donc, tous vos réseaux sociaux, vos autres réseaux sociaux, Infinite RPG, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, votre compte Twitter, votre compte, voilà. Vous pouvez même mettre vos sites de jeux de rôle. Si vous avez un forum RPG ou si vous avez un Skyrock, ou etc., enfin, n'hésitez pas à les mettre ici. Ou si vous avez des sites web autres, voilà. Moi, j'avais mis la campagne Ulule, par exemple, je l'avais mis ici. Voilà, les notifications, ça va bientôt changer, on va faire quelque chose d'encore plus spécifique, je vous montrerai des maquettes tout à l'heure, vous pourrez choisir ce qui s'affiche sur votre fil d'actualité, ce qui s'affiche dans vos mails, ce qui s'affiche en notification, ce sera beaucoup mieux, mais en tout cas pour l'instant, voilà où est-ce que vous pouvez dire où est-ce que vous voulez recevoir vos mails ou pas. On va voir, hein. On reste quand même modeste à notre petite échelle.
Donc voilà pour la partie réseau social en tout cas. Et on va bientôt basculer, parce que ça fait déjà 11h30 déjà. On va aller sur la partie plateforme. Ok, on va jouer. Donc, si on écrivait, allons-y. Donc en fait, déjà pour commencer, vous allez sur ce bouton qui est Explorer Infinite Worlds à droite. Oui, c'est vrai que c'est pas très en haut à droite. Il y a Explorer Infinite Worlds. Oui, ça va être revu parce que c'est vrai que c'est pas très bien mis en valeur. Et donc ici, c'est là que vous pouvez. Donc vous avez le choix de plein de jeux de rôle qui ont été créés sur la plateforme. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais. Infinite Worlds. Ouais. Non, je pensais que c'était RPG. Exquisite Worlds. Ah, mais oui, parce que alors c'est Exquisite Worlds, donc les mots exquis, et Infinite Worlds. Ouais, non, mais je cherche pas. Je montrerai sur Photoshop mes maquettes, ce qui sont beaucoup plus. Ouais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelques petites choses. Qui vont venir. Qui vont venir, et c'est juste que j'ai pas le temps. C'est trop chiant. À chaque fois, il faut que je me pose sur mes maquettes. Et donc, en fait, ici, vous avez donc déjà vous avez une sélection de jeux de rôle du moment qu'on a mis en avant qui se trouve en haut. Mais sinon, vous pouvez même. Oula, c'est Photoshop, c'est ouvert. Hop, c'est bon. Vous pouvez aussi trier. Donc, si par exemple, vous cherchez un jeu de rôle policier, thriller, et qui a peut-être du fantastique, vous faites valider et vous trouvez. Une suggestion plutôt. Oui. C'est trié par avatar. C'est très con, hein, mais je sais que toi, tu les avatars, ça te l'explique. Mais malheureusement, moi, les forums, là, il y en a un. Je vois qu'il y a un avatar manga, les autres, pour moi, c'est du réel. Il y a Pikachu, là. Il y a un Pokémon. Attends, il y a des forums avatar réels sur les Pokémon. Oui, c'est vrai, ça. Comment tu pouvais faire ça, mais en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser le. Ouais. Il faut que ce soit illustré au manga. C'est pas forcément du manga, mais il faut que ce soit un dessin. D'accord. Bah, en tout cas, nous, ce qu'on est en train de faire, et c'est un peu long, mais voilà, c'est d'ajouter dans la partie recherchée, la recherche avancée, de faire le même système que quand tu recherches un rôliste. Donc, je veux chercher un jeu de rôle qui soit à avatar illustré, qui soit fantastique, qui soit policier. Ouais, vraiment, on va aller dans ce sens-là, normalement. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Non, avatar réaliste. Oui. Mais je ne suis pas encore sûre parce que. Enfin, je ne sais pas, il faut qu'on le mette en place. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Une suggestion. Si, Exquisite Worlds, c'est ouvert à tous en fait. C'est même. Les gens font ce qu'ils veulent même. Je pensais que c'était parce que ton image. Ah non, oui, alors moi, Excite Exquisite parce que je connais un petit peu. Mais tous les autres, pour moi, c'est. Enfin, je ne vais pas cliquer dessus parce que pour moi, c'est de l'avatar. Mais en fait, tu ne sais pas. Parce que peut-être qu'ils le sont, mais il n'y a pas cette information. Il n'y a pas l'info et. Je ne sais pas si c'est. Non, c'est pas, on ne l'a pas indiqué. Pour autant, on a d'autres qui vont pas cliquer quand ils vont voir le manga. Bah oui, mais c'est pour ça. Oui, mais au moins qu'ils sachent. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui cherche un. Oh non, mais c'est une information en plus que je dois ajouter. C'est une bonne suggestion. Même, pas forcément sur cette page-là, tu vois. Mais quand tu fais. Quand tu étais. Des trucs de recherche, là, et ben t'en as un autre, c'est le type d'avatar. Ouais. Et, Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais que c'est toujours un débat qui est très. En fait, qu'on ait la même chose. Enfin, c'est pas sensé. Qu'on ait la même chose ici pour la recherche de jeux de rôle. Vraiment que ce soit très. Bah, ouais, bah pourquoi pas. Il faut juste qu'on l'ajoute, qu'on l'intègre. Une fois que vous avez fait votre recherche avec. Donc pour l'instant, on peut chercher par genre. On peut chercher par genre, donc on n'a pas les avatars encore, mais par genre au moins fantastique et tout ça. Vous pouvez aussi vérifier donc ceux qui sont les derniers créés. Donc là, c'est les petits nouveaux, par exemple. Vous pouvez aussi voir ceux qui sont les plus populaires. Donc les plus populaires, c'est ceux qui ont le plus de rôlistes inscrits. Voilà, pour l'instant, c'est l'algorithme qu'on a choisi. Les plus actifs, donc c'est ceux qui ont. Ah ben je sais pas la différence encore en fait. Il faudrait que je voie avec mon développeur, je sais plus ce qu'on avait dit. Et par ordre alphabétique. Voilà. Et vous pouvez aussi chercher un JDR, un RPG directement. Donc si je cherche Exquisite, je tape et je le trouve. Il est là. Vous pouvez aussi donc voir sa fiche. Donc vous cliquez sur plus d'infos et c'est là que vous avez une description courte, le nombre de rôlistes inscrits, le genre, le nombre de RP écrits, le nombre de textes écrits, plus de détails, donc là un peu plus de détails, tous les rôlistes qui sont en train de jouer, et voilà. Et une fois que vous êtes convaincu que vous devez jouer ici, bah, vous allez sur le jeu de rôle que vous voulez, mais nous on va dans Exquisite Worlds parce que c'est là qu'on va écrire.
Donc, vous allez dans voir le jeu de rôle. Donc voilà, une fois que vous arrivez ici, donc je vous montrerai l'envers du décor, comment on personnalise pour obtenir ce résultat, mais là on va jouer en tant que joueur. Donc je crois que vous n'avez pas encore créé de personnage ici. Donc toi tu avais Corentin déjà une idée, non tu veux faire un autre personnage? Ok, un autre, ok. Donc, en général, en tout cas, la vision que j'ai sur ma plateforme, c'était de faire en sorte que quand les joueurs arrivent, ils puissent être immergés directement dans l'univers proposé par le créateur du jeu de rôle. Donc, forcément, il y a une bannière quand on arrive, et il y a ce qu'on appelle le panneau d'affichage, où en fait, ici, c'est du texte, hein, je vous montrerai tout à l'heure comment faire, mais en gros, vous pouvez présenter votre jeu de rôle, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez aussi un système d'annonce, donc vous pouvez indiquer les rencontres IRL, vous pouvez indiquer s'il y a un nouveau personnage qui arrive, une nouvelle intrigue, etc. Vous pouvez indiquer les personnages prédéfinis qui sont attendus par vos admins, enfin par vos créateurs. Donc là, pour l'instant, plus aucun personnage prédéfini est disponible sur Explicit Worlds. Oh là là. Bref, ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti vite. Après, il y a des gens qui s'inscrivent et qui repartent. Donc des fois, je vais faire une mise à jour bientôt. Vous pouvez voir les derniers RP, donc les derniers textes qui ont été écrits. Vous pouvez voir les statistiques. Donc vous pouvez voir si c'est actif, s'il y a des lieux, etc. Et voilà. Et après, donc vous utilisez ce qu'on appelle le menu. Donc, c'est un menu navigation. Et moi, dans mon jeu de rôle, j'ai choisi de mettre en valeur donc, tout ce qui est l'univers, en fait, finalement, Exquisite Worlds, avec nos annexes, l'histoire, les lieux, avec les cartographies qui ont été dessinées par notre illustrateur Guillaume Delacour. Les us et coutumes, donc un peu comment vivent les personnages dans Exquisite Worlds, voilà, tout simplement. Et j'ai même fait une playlist, si vous voulez l'écouter, pour mettre un peu d'ambiance. Et cette playlist a été conseillée par mon beau cousin Clément. Donc, s'il m'écoute, merci à lui, qui est un vrai mélomane. Donc, voilà. Et en fait, l'autre manière d'immerger vos joueurs, c'est de leur proposer donc deux modes de jeu. Donc, le mode de jeu libre, donc c'est le mode où on joue par lieu, en fait, où vous écrivez dans des lieux... des lieux de votre univers, ou alors le mode intrigue, le mode scénario, où là, en fait, les admins, les créateurs proposent des intrigues et vous devez répondre chapitre par chapitre, etc. On va commencer par le commencement, déjà. On va commencer par créer notre personnage. Alors, vous cliquez en haut à droite, créer un personnage. Et là, on va vous proposer si vous voulez jouer un personnage libre ou un poste vacant. Bon, là, on n'a pas de chance, les postes vacants sont pris, donc les personnages prédéfinis sont pris, mais normalement, vous avez le choix, vous avez une sorte de diaporama et vous voyez défiler des personnages. Voilà. Mais là, on va faire un personnage libre. Donc, vous cliquez ici. Personnage libre, ça veut dire que vous allez inventer toute son histoire, toute sa biographie librement, le prénom, le nom, etc. Vous arrivez à l'étape 2 qui est l'avatar. Donc en fait, nous, Infinite RPG, on propose des avatars illustrés par donc Guillaume Delacour. Pour l'instant, donc on va en avoir d'autres avec d'autres illustrateurs, mais pour l'instant, on aime bien travailler avec lui, donc on est avec lui. Donc vous pouvez utiliser un avatar au choix. Là, qui, si on a ajouté des nouveaux d'ailleurs, là, qui sont petits nouveaux qui sont là. La taille, elle est plutôt rectangulaire. Je sais que Ellie m'avait dit que c'était un peu, ouais, c'est un peu particulier comme format. Je pense qu'on va plutôt aller dans du carré bientôt ou quelque chose comme ça. Ok, je note. Non, non, mais. Non, mais du carré, c'est pas mal aussi. Parce que là, par exemple, là, ils sont carrés, là, en fait, finalement, là. Enfin, arrondis, parce qu'il y a un petit effet. Voilà. Donc là, soit vous prenez quelqu'un, donc quelqu'un de la galerie d'avatar qu'on propose, soit vous prenez votre propre image. Et vous l'envoyez, vous cliquez, choisissez un fichier, vous choisissez. Moi, je vais prendre lui, c'est mon personnage préféré, je l'aime bien, il est sympa. Il a une bonne bouille de pirate, je trouve. Enfin bon. Voilà, et après, tu le vois à gauche. Ouais. L'argon, il faut que je revoie. Et là, c'est plus carré, ouais. Et après, vous faites étape suivante. Non, non, pas de problème. Et là, donc, en fait, moi, j'appelle ça, sur mon jeu de rôle, Exquisite Worlds, j'appelle ça une carte d'identité. Après, sur vos propres jeux de rôle, vous pourrez les appeler autrement, vous pouvez appeler ça passeport, enfin, c'est comme vous voulez. Et moi, je demande ces questions-là, je demande quel est le prénom et le nom de votre personnage,
Est-ce qu'il est client ou employé de l'hôtel? Quelle est sa date de naissance? Sa nationalité? La couleur de ses yeux? Sa taille? En fait, tout ce qu'on trouve sur une carte d'identité, hein, finalement. L'adresse? Donc, si c'est un personnage, si le personnage est un employé, ça peut être intéressant de savoir à quelle distance il vit de l'Exquisite Hôtel. C'est pour ça qu'on demande l'adresse. Est-ce qu'il vit parce que l'Exquisite Hôtel, en fait, se situe à Manhattan, en haut à droite, dans le Upper West Side. Donc, en haut à droite, c'est ça l'Ouest. Hein. Non, c'est l'Ouest et gauche. Oh putain, je suis vraiment nulle en géographie. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, si vous habitez à Brooklyn, bah, c'est important, c'est intéressant parce que ça peut même donner aussi des idées de votre. Ah oui, alors, Tirario nous demande s'il est possible d'avoir un exemple de comment jouer pendant une partie. Oui, bah, en fait, on y va. En fait, là, pour l'instant, il faut être patient. Il faut d'abord créer le personnage pour pouvoir jouer une partie, entre guillemets. Donc. Déjà sur la taille de la vache. Non, mais t'inquiète pas, ne correspond pas. Elle est trop petite et du coup, quand je zoome, bah, c'est tout dégueulasse. Ah oui, non, il faut faire des grandes images ouais, sur une film RPG pour que ce soit beau. Et sinon, ah ben regarde, t'es pas la seule à le penser, France. Il y a Nominé Vulgus qui trouve que le format gigantesque des avatars 500 x 889 est un peu galère. Ouais. Voilà, bah, c'est noté. Oui, déjà, une photo. Ouais. Alors, si c'est une photo en super HD et tout, tu peux la bouger. Moi, le dessin que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui a scanné son dessin. Donc, ouais. Un truc en digital, et si je scanne. Ok. Voilà. Bah, c'est un très bon retour. On va... Je pense Elim m'avait déjà dit pendant la bêta en décembre le format, mais elle m'avait parlé surtout du format. Il est redimensionné après, ouais. C'est hop, on va inspecter. Non, non, mais t'as raison. Il est en 198 x 351. Donc en fait, il y a une redimension automatique. C'est presque du 200-400. Je me suis inspirée des forums, hein. Mais j'ai pas fait 200-400. J'ai voulu un peu me distinguer. Ça va mieux tout de suite. Donc Nominé Vulgus, ne t'inquiète pas, c'est pris en compte. Il faut qu'on s'en occupe. Donc je vous laisse remplir ces champs pour votre feuille de personnage. Il y a aussi une question qui est très, très distinctive. Donc, si votre personnage a des lunettes, une cicatrice, un tatouage. Donc, s'il a des lunettes, peut-être parce qu'il a une vue un peu, comme moi, un peu médiocre. Donc, il ne voit absolument rien. Ou au contraire, c'est pour le style. J'avais un pote comme ça qui avait une très bonne vue, mais qui avait des lunettes pour le style. Ouais, écoute. Hein, c'est vrai que tu ne les as pas sur la tête. Tu les as sur la tête, mais tu ne les as pas sur le nez. Faut même mettre s'il a une cicatrice, peut-être que ça sous-entend qu'il a un passé militaire. Il a combattu et maintenant il cherche à se reconvertir dans l'hôtellerie, pourquoi pas. Waouh, je suis en train d'inventer un personnage et tout là, waouh. Ou alors il a un tatouage parce qu'il a perdu sa maman et il voulait une trace de sa maman sur lui. Je sais pas, je vais loin. Oh, non, vous... Oui, je vais me calmer un peu. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres messages de Kimi, parce que Kimi me retransmet vos commentaires et vos questions en direct. Je ne sais pas combien vous êtes. Je n'ai même pas regardé. Peut-être pas une bonne idée d'aller regarder, non. Bref. Parce que je partage mon écran, en fait. Donc, Alors, Nominé Vulgus, les dimensions pour la bannière. Oui, bah en fait, c'est juste que moi j'ai conçu une maquette de cette manière et je me suis peut-être compliqué la vie, en effet, oui. Mais maintenant, il faut décompliquer ça et voilà. Donc, on va revoir toutes les dimensions, en effet, sur la plateforme. Est-ce que tu es inspiré, Ronan, pour ton personnage? Un métier. Ah oui, et donc après, on a la question métier. Alors, pour t'aider, si tu veux... Ouais. Le mec, il est auteur de SF. Il a plein de maquettes. Les action figures, c'est pas courant, quoi, comme protagoniste. C'est vrai. Le mec est nul, qui sait rien faire, qui est juste curieux. Ouais, c'est pareil, moi, le dernier bouquin que j'ai lu, le mec, il est libraire.
librairie policier et il écrit des romans policiers, mais médiocres. Ah, d'accord. Tu veux faire un client ou un employé, Ronan ? Je suis un client. Un client, ah. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les clients de l'hôtel ? Donc, en général, donc, il peut y avoir des riches businessmen de passage, des starlettes venant chercher un semblant de vie privée, des puissantes familles se réservant des étages entiers, ou alors une clientèle privilégiée, donc il y a un côté un peu fantastique, surnaturel. Donc voilà. Et toi, France, tu veux prendre quoi comme personnage ? Un employé. Moi, j'ai juste décidé qu'elle était. Oui. Qu'elle était écossaise. D'accord. Elle avait l'avatar de Black Widow et il y avait un troisième truc, mais je ne sais plus quoi. Elle sera cliente ou employée ? On n'a pas beaucoup d'employés, sache-le. Ouais, et c'est plutôt les clients qui... Ah bon, ben voilà. Et donc, les employés... donc, ouais. Mais il y a beaucoup de clients, parce que je fais passer des entretiens là, et il y a plein de clients. Alors, qu'est-ce qui peut être recherché dans un hôtel ? Bon, y a les bagagistes et voituriers qui se relaient à l'entrée pour faire emmener des affaires, entre autres choses. Les standardistes. Il peut y avoir le réceptionniste de longue date. Il peut y avoir les femmes de ménage, les lingères, qui sont embauchées pour demeurer invisibles et priées de ne jamais adresser la parole à la clientèle. C'est la date de naissance du personnage. Ouais, date de naissance du personnage. Pas le tien. Mais tu peux après jouer sur ton propre. Voilà. Tu peux mettre un community manager aussi, qui s'assure de préserver l'image de l'hôtel sur les réseaux sociaux. Je sais que Sophie Eden Memories a un atelier il y a 2 ans, elle avait fait ça. Voilà. Donc si tu veux retrouver. te retrouver. Tu fais déjà dans la vraie vie, donc. Voilà, donc voilà quelques idées. Je sais qu'il y a un de nos joueurs qui s'appelle TJ Chrome qui est très très actif et qu'on remercie pour son activité, son enthousiasme, qui avait mis des suggestions sur notre clan Exquisite Worlds hors-jeu, parce que c'est là que tout se passe, le côté hors-jeu. Il avait mis un organigramme qu'il avait trouvé sur Internet et que nous aussi on avait trouvé sur Internet, qui est intéressant. Je vais regarder ça. Où est-ce que c'était ? Non, c'était pas là. C'était où ? Où est-ce que tu avais mis ça, TJ Chrome ? Puis c'était vraiment une très bonne idée. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, voilà. Idée de personnage. Il faudrait que je le déplace, ce sujet, tiens. Alors, concierge, gouvernante, femme de ménage, standardiste, réceptionniste, bagagiste, voiturier, serveur, barman, garde du corps, pourquoi pas. Il y a Atelifty. Ah, bah voilà, c'est très bien. Ouais, en plus, c'est dans l'ascenseur. Voilà, j'ai lu un roman, il y avait un liftier, et puis ça me refait penser à. Barton Fink. D'accord, je connais pas. Ah, t'as pas vu ? Non, tu connais pas non plus en France. J'avais quoi ? Il y a un concurrent de l'hôtel très fier et mégalomane, un investisseur qui arnaque les gens, un concierge un peu bizarre, un mafieux style Don Corleone qui doit rester discret, un mafieux à l'inverse qui est genre voté Vitus Corleone, totalement idiot mais malin, je vais voter. C'est les présidentielles bientôt, moi je serai pas là. un attitré de noblesse qui paraît bête et trop gâté et en fait très intelligent réfléchi. Il y a Antoine Côtefer qui avait dit pourquoi pas. Non, c'était autre chose. Ah oui, voilà. Alors, agent d'entretien, lingère, et il y a cet organigramme qui est assez intéressant. Agent technique, voiturier, masseur, masseuse, groom, chasseur. Chargé d'effectuer des courses à l'extérieur de l'hôtel. Ah oui, pour les clients. Voilà. Et aussi d'autres services de personnes moins recommandables, malheureusement, que je n'ai pas besoin de citer. Tu fais un garde du corps ? Okidoki. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme question ? Il y avait les qualités et les défauts de votre personnage. Et biographie. Donc, qualité, défaut.
qualité, garde du poing, garde du corps, qualité, bah, peut-être qu'il faut qu'il soit un peu fort quand même, non? Mais il faut qu'elle soit forte. Voilà. Agile, intelligente, analyste, avec des capacités d'analyse peut-être. Ou... Voilà, après, il faut trouver des défauts. Il faut que ce soit bien équilibré. Donc après, les défauts, ça peut être qu'en fait, elle est maladroite et que quand elle essaye de protéger un client, en fait, finalement, son arme tombe et en fait, elle finit par le blesser. Ou alors, enfin, il faut vraiment... d'ailleurs, c'est un des ateliers qu'on va proposer le mercredi 10 mai, c'est vraiment de réfléchir à bien contrebalancer son personnage, bien l'équilibrer, qu'il ait des qualités, des défauts, qu'il ait son attitude qui puisse être en conflit avec sa nature. Donc, ce sera un atelier qui sera le mercredi 10 mai avec DraftQuest, David Mellman de DraftQuest. En attendant que nos participants remplissent leur feuille de personnage, je vais sauter une étape. Donc, imaginons que vous avez créé votre personnage, donc vous faites partie des personnages qui sont ici, typiquement. Ensuite, en fait, il faudra que l'admin valide votre personnage. Donc, par exemple, ici, on a Calista Kelly Wings qui est en attente de validation, que je n'ai pas validé hier parce qu'en fait, justement, je voulais que ça serve d'exemple. Voilà, c'est pour que vous ayez un exemple. Et donc, du coup, si vous êtes admin, vous pouvez le valider. Vous cliquez en haut à droite. Vous avez ce petit bouton, cette petite flèche qui n'est pas très visible. Je sais, il faut qu'on améliore ça. Mais en tout cas, si vous êtes admin, vous avez, enfin, ou même quand vous n'êtes pas admin, vous avez cette petite information qui dit « Personnage en attente de validation par le maître du jeu ou les modérateurs, s'ils ont la permission. » Et donc, du coup, moi, j'ai la permission, je clique là, je valide. Ou au contraire, je dis non, j'ai envie d'éditer ce personnage parce qu'il est mal écrit. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc, hop, je fais éditer. Et du coup, j'arrive dans mon administration. Et je peux toucher au personnage et dire non, je ne veux pas qu'elle soit américaine, je veux qu'elle soit française. Enfin, je vous montrerai l'interface d'après. Et du coup, moi, je valide. Je fais valider le personnage et il pourra commencer à jouer. Et une fois que votre personnage est validé, eh ben, il peut jouer. Alors, il y a deux manières de jouer, comme je disais tout à l'heure, soit en mode libre, soit en mode intrigue. Je vais aller dans le mode libre d'abord. Donc, en gros, vous dites, ah, je me balade dans les lieux de cet univers et je me dis que j'aimerais bien écrire une scène. Donc, quand on joue, en fait, dans Infinite RPG, on écrit. Donc, on écrit une scène. Je vais l'écrire sur le rooftop. Je me dis que ça peut être sympa de se balader sur les toits de l'Exquisite. Donc, je peux lire la description de l'endroit. Ça peut me donner de l'inspiration. Et je vais créer une scène. Donc, c'est ce bouton-là. Et donc, du coup, je vais choisir le personnage, parce que je peux avoir plusieurs personnages, mais je veux dire, moi, je vais te poster en tant qu'Exquisite Hotel. Je vais donner un titre à ma scène. Donc, je ne sais pas, flânerie sur les toits de Manhattan. Je suis inspirée. Et je vais lui donner aussi une image. Donc, en effet, encore une fois, nous, on a donné ce format, mais peut-être qu'on va revoir ça, à voir. En tout cas, nous, il y a une image par défaut, si vous avez la flemme de trouver une image pour illustrer votre scène. Mais vous pouvez aussi choisir donc, d'autres images. Vous voyez tous mes fichiers. Donc voilà, c'est un peu lent. Hop. Je vais résumer un peu ma scène. En fait, ça, pourquoi est-ce qu'on vous demande un résumé? Mais c'est peut-être pas utile. On va voir si c'est peut-être facultatif. Mais en gros, c'est pour le référencement naturel sur Google. C'est pour que votre scène elle soit référencée par Google, qu'on vous trouve, etc. Bonjour. Ah. Voilà. Il est plutôt par là-bas. Il y a des conférences, en fait, juste à droite. Donc là, vous faites votre résumé et vous démarrez votre scène. Donc, c'est-à-dire que vous écrivez. En fait, le jeu de rôle textuel, c'est il y aura toujours quelqu'un qui va commencer à écrire. Donc, un premier personnage. Donc, il va dire, je suis sur les toits, seul.
à méditer sur mon sort, mon triste sort, tiens. Voilà. Et je me croyais tranquille quand soudain, eh ben, y a quelqu'un qui va... C'est bon, t'as créé ton personnage, toi, c'est ça ? Ouais, je peux plus, là, c'est ça. Et là, il faut que je te le valide, en fait. Donc, moi, donc j'arrive ici, je retourne dans personnage et joueur. John Doe, c'est ça, hein ? Ouais. Parfait. Tu t'es trompé ? Ouais, non, si, c'est... Mais tu peux... Eh ben, tu peux l'éditer. Alors, une fois que tu l'as créé, tu retournes sur ta feuille de personnage. Je ne sais pas si tu vois où est-ce qu'il est. En fait, tu vas dans jeu de rôle, tu cliques sur jeu de rôle en haut ici. Là, là. Et là, normalement, tu vois ton personnage. Et non, tu ne le vois pas. Ok. Parce qu'il est en attente de validation. Là, attends, je vais te le valider. Voilà. Et rafraîchis ton écran. Mais ça, c'est un bug. Hein. Normalement, tu devrais le voir même s'il n'est pas validé. Voilà. Et maintenant, tu le vois. Donc, tu cliques dans « Jeu de rôle » et tu le vois. Et donc, du coup, après, tu cliques en haut à droite. Non, là, c'est les commentaires, ouais. Il faut que je revoie plein de choses. Hein. Là, ici, en fait, en haut à droite, tu as une flèche qui est un peu discrète, un peu trop discrète. Et ouais, tu fais « Éditer le personnage ». Ouais, alors que, ouais, il faut que je... Peut-être une roue, ouais. Non, mais écrit peut-être, ce sera mieux. Mais tu sais que sur Facebook, c'est une flèche pour éditer. Hein. Ouais, mais Facebook, je trouve l'ergonomie de Facebook est un mauvais... Oui, est un mauvais exemple, ouais. Bah, la preuve. Non, sur LinkedIn. T'as un crayon, un truc comme ça. Un crayon, ouais, ça peut être bien créer un crayon. Ou une roue, c'est ce que... Ouais. Renan. Ouais. Oui, on... Soit crayon, soit roue. Ok. Ok. Donc là, tu peux éditer. Donc ouais, ça te remet dans le processus si tu veux changer d'avatar, par exemple, hein, je ne sais pas. Et là, du coup, tu retournes. Il s'appelle John et à un endroit, tu as mis Joe, c'est ça, quelque part. Et donc, du coup, tiens, faisons, on va écrire ensemble, Renan. Et après, on va écrire ensemble, Gaëlle, France. On va écrire ensemble, main dans la main. Ah oui, alors les relations, en fait, qu'est-ce que c'est que les relations? Parce qu'on m'a souvent posé cette question. Les relations, c'est est-ce que tu vas avoir des amis dans l'hôtel? Est-ce que tu vas avoir des amants, ton mari, ton... Voilà. Ou est-ce que tu vas avoir des ennemis? Est-ce que tu vas avoir... Et en fait, c'est cet endroit où tu vas pouvoir décrire ta relation. Avec, par exemple, le directeur de l'hôtel, est-ce que vous êtes pote ou au contraire, est-ce que tu en as peur et tu vas voir aussi tous les personnages en fait, qui ont été créés sur Suzy Tours et tu vas pouvoir éditer au fur et à mesure tes rapports avec eux. Il y a un petit bug, c'est ça, au moment où tu scrolles ou non? Ou c'est juste que c'est un peu trop à l'infini? On va revoir aussi l'ergonomie, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais on voulait faire sous forme de carte un peu quelle est ta relation avec John Smith, quelle est ta relation avec Corentin, enfin, autre. Voilà. Donc, alors, je vais te créer. Donc là, tu es un employé, on est d'accord. Hein. Donc, les employés vont passer un entretien. Donc, je vais aller ici et je vais copier-coller. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que pour gérer votre partie hors-jeu, parce qu'en fait, la plateforme, elle a été conçue pour gérer vraiment le en-jeu. Donc, tout ce qui est écriture, etc. Si vous voulez parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est questions avec avec vos joueurs, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser nos clans. Parce que nous, par exemple, moi, j'ai créé un clan sur le réseau social, ce qui me permet d'interagir sur tout ce qui est méta-jeu, en fait. Justement, de pas toucher à la partie jeu ici, sur la plateforme. Et ici, on peut discuter avec nos joueurs. Les joueurs peuvent nous poser des questions. Là, par exemple, hop. Une question. Vous pouvez même structurer ça sous forme de forum. Donc, présentation des joueurs, petites annonces, etc. Donc là, on va jouer ensemble, Renan. Donc, alors, je suis dans la bibliothèque et je vais te créer un entretien. Et avec... Ah, je suis sur la page d'accueil.
Donc, si tu descends, tu vas dans les lieux. Voilà, c'est là, tu es sur la feuille. Ah non, c'était sur ton personnage. C'est là, la page d'accueil. Il faudrait peut-être que je crée un petit bouton dans la navigation, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'avais pas vu. Et là, tu vas dans les lieux. Hop. Ah, si, c'est dans l'annexe. Annexe ou là ? C'est plutôt en bas. Je crois qu'on ne les recense pas ici, c'est pour ça. Il faudrait que je le fasse. Information des lieux, ambiance. Là, en fait, c'est plutôt le descriptif des lieux. Ouais. Ok. Il faut que tu ailles sur la page d'accueil et que tu descendes pour voir la liste des lieux. Il faut que tu retournes sur la bannière. Tu cliques là. Et là, tu descends. Et voilà. Et là, en fait, tu as tous les lieux disponibles dans cet univers. Et en fait, tu peux naviguer comme ça. Je m'étais inspirée de Pottermore pour faire ça, mais après, à voir, on peut s'améliorer. Et là, en fait, je te donnais rendez-vous dans la bibliothèque. Tu retournes en arrière et tu vas dans la bibliothèque. Et là, je vais te créer une scène. Alors, attends, ça arrive. Hein. C'est John Doe. Hein. Donc, je lui donne un titre. Donc, l'image, elle est là. Le résumé, c'est entretien avec la directrice des ressources humaines. Et hop, j'écris mon message. Enfin, moi, il est déjà préparé. D'ailleurs, si vous vous remarquez, quand vous écrivez un message, vous pouvez dire si votre message est un contenu adulte ou pas, enfin, contient du contenu adulte ou pas. Il faut le préciser. Même, je vous le conseille fortement parce qu'on ne sait pas si vous avez du contenu érotique, du contenu violent, du content. Nous, on fait pas de, il n'y a pas de distinction. Pour nous, un contenu violent, c'est un contenu adulte, c'est violent, sexe, tout, enfin, à ce niveau-là. Donc, vous le cochez et vous verrez ce que ça donne. Je vous montrerai ce que ça fait. Je vais le cocher et on va voir. Vous pouvez dire aussi que vous ne voulez pas qu'on commente ou qu'on partage votre texte. Donc, ça, vous cliquez. Moi, je ne clique pas. Et vous pouvez cliquer si vous voulez recevoir une notification quand on a répondu. Et vous pouvez archiver votre scène libre ici. Je publie. Donc là, si tu rafraîchis la page, Ronan, et normalement, tu devrais voir tout en dessous. Donc, ce que je t'expliquais, oui, tout à l'heure. Ouais. Donc là, tu arrives et tu vas le voir, John Doe. Voilà, entretien avec John Doe. Voilà. Donc, tu arrives dans ton entretien. Et tu vois donc ce message d'avertissement parce que, voilà, j'avais dit ce RP réservé à un public majeur et averti. Voilà, si vous êtes majeur, vous recevez ce message-là. Si vous êtes mineur, vous recevez un autre type de message qui vous dit que vous ne pouvez pas le lire, en fait. Voilà. Et vous cliquez « Lire le RP » si vous voulez lire le message. Pop. Donc, je te laisse répondre à ce premier RP pour que toi aussi, tu puisses interagir. Donc, en gros, toi, là, ta mission, c'est de décrire ton personnage au réveil, sa manière de se préparer pour l'entretien et son arrivée jusqu'à l'hôtel. Parce que ça veut tout dire, en fait, hein, je crois. Je trouve que c'est très… Arthur Murine ? Ah oui, oui, c'est vrai que… Non, mais parce qu'il ne s'appelle plus Arthur Murine, en fait. Enfin, avant, il s'appelait Arthur Johnson. Tu te rappelles ? On n'a pas essayé de faire un anagramme. C'était… Ouais, c'est un atelier un peu particulier. On a essayé de lui trouver un autre nom. Et en fait, on est resté à Arthur Murine. Hein. Je crois bien. Voilà. Parce qu'en fait, on a essayé de lui trouver son nom dans son passé antérieur, dans sa vie antérieure. Je crois que l'Arthur Murine, il y a un anagramme dedans, en plus. Vous voulez Martin, Martin Roar, Rav ? C'est ça, c'est ça. Non, mais ouais, je crois qu'on a laissé tomber. Une fois que vous avez écrit votre scène libre, vous pouvez toujours l'éditer. Hein. Donc, c'est toujours cette fameuse flèche en haut à droite qui va être changée hein, bientôt. Donc, vous cliquez dessus et vous avez édité le RP ou édité la scène libre. Alors, il y a une différence. Si vous cliquez sur éditer le RP, vous avez la main du coup sur le texte que vous avez écrit. Si vous faites éditer la scène libre, vous avez la main sur tout ce que vous avez conçu depuis le début, c'est-à-dire le titre de la scène, l'image, le résumé, et aussi le fait que ce soit… En fait, finalement, ce n'est pas un contenu adulte, vous êtes trompé, vous décochez. Vous ne voulez plus qu'on commande votre RP, donc vous cliquez dessus, et vous faites publier. Et ça a changé, ça a pris en compte, et là, on ne peut plus commenter. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je vais le remettre parce que… Hop. Je souhaite. Donc là, je veux qu'on commente et qu'on partage mon RP.
Donc maintenant, vous avez cette petite bulle en fait, qui vous permet de commenter en tant que lecteur, joueur. Donc si vous n'avez pas envie de jouer à Exquisite Words, mais vous aimez lire les textes qui sont écrits et vous voulez dire « Oh, c'est super bien écrit », vous pouvez écrire là en tant que Moody Trainee. J'ai adoré cette scène. Ou au contraire, je crois qu'il y a une petite faute d'orthographe. Le truc bien sympa, mais bon, voilà. Et vous pouvez aussi partager votre scène libre. Donc sur Facebook, sur Twitter, sur Google et bientôt sur Infinite RPG, ce qui paraîtrait logique, mais on ne l'a pas mis. C'est un peu bizarre. Donc là, je vais le partager sur mon compte Facebook, par exemple. Je vais dire l'entretien avec John Doe. Et je ne sais plus c'est quoi ton Twitter, Ronan Breton1. Breton1. Ah, je suis perdue. J'étais où ? Je suis où ? Ah oui, j'étais sur Facebook. Et je publie. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important que vous précisiez, que vous mettiez une image. C'est important que vous mettiez votre texte, un résumé de ce que vous écrivez, etc. Bonjour ! C'est Infinite RPG, on fait un atelier d'écriture. C'est Chrome. Chrome, ah bonjour Chrome. Qui a fait jouer pour avec Obi. Avec Obi. Kobe sur Infinite RPG. Ah d'accord, ok, d'accord. Bonjour. Il est là aussi. T'avais participé. Ah ben voilà. Ah ben enchanté, comme ça on se retrouve. D'accord, ok. Parce que moi, c'est Benjamin normalement, non ? Oui, mais pour ça, le vrai prénom, c'est Benjamin. Moi, je suis enchantée, comme ça, on se rencontre en direct. En fait, je suis en direct, c'est pour ça que. Voilà, mais si tu veux même, on va manger tout à l'heure, on mangera ensemble. Donc, si jamais tu veux te joindre à nous, super contente de te rencontrer en vrai. Et il faut que. Et t'es juste à côté, c'est ça ? Juste là, à gauche. Ok, et vous faites du sombre, c'est ça ? Alors, on fait du sombre. Ah oui, oui, bah oui, c'est la thématique de cette année au Festival des mondes de l'imaginaire. Je rappelle qu'on est au Festival des mondes de l'imaginaire, hein, c'est pour ça que voilà, ça vit autour de nous. Bah super. Une salle décorée au thème Cthulhu, horreur, etc. Ouais, c'est cool, c'est bien. Je sais qu'il y a les conférences à droite, mais je ne savais pas que vous avez pris celle-là. Ok, voilà. Bah, c'est cool. À tout à l'heure, oui, merci. Oh, c'est sympa, c'est marrant de rencontrer en vrai. Du coup, c'était votre MJ en fait pendant. C'était In. Comment ça s'appelait It. In. It. Avec des clowns. Ouais. Donc en vrai, il fait moins peur. Non. Ça va. Alors, est-ce que tu as fini ton personnage ? Non, ben, non, mais prends ton temps, il n'y a pas de souci. On n'a pas. De toute façon, c'est accessible en ligne hein, après. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai que ce serait bien de le faire là. Donc du coup, Tiragio. Comment tu veux que je te ponde une biographie en 10 minutes ? Bah, ça s'appelle de la pression créative. Ouais. Et après tu retourneras dessus si tu veux pour peaufiner. Je sais que tu es perfectionniste. Tiragrio, je ne sais pas comment prononcer à chaque fois. Tiragrio, ah ben si, je l'ai très bien prononcé. Donc du coup, tu as un aperçu de comment on peut jouer librement, c'est très libre du coup, sur Infinite RPG. Donc on est dans la partie lieu, on va dans un lieu en particulier. Donc là, on a choisi la bibliothèque. Il y a une première personne qui va écrire son premier texte. Donc moi, c'est Exquisite Hôtel, je joue l'hôtel en fait, parce que l'hôtel a une personnalité propre. Et j'attends la réponse du coup de Ronan, qui va jouer son personnage John Doe, qui va répondre à ma suite. Il y a une autre manière de jouer, qui est plus scénarisée, où en fait, là aussi c'est scénarisé, hein, pas le dire, mais voilà. En gros, c'est sous forme d'intrigue. En gros, les créateurs de votre du jeu de rôle vont concevoir des chapitres, des intrigues, avec des missions à attribuer à leurs joueurs. Donc typiquement, moi en fait, j'ai fait une première intrigue qui s'appelle Rouge Écarlate. C'est notre scénariste Guénolé Boileau qui a écrit cette intrigue.
Et en gros, là, bon, bah, tu écris, tu mets en place le contexte, tu mets en place l'intrigue. Et à la fin, donc, on nous annonce qu'il y a eu un meurtre, spoiler, et on nous dit que personne ne pourra sortir et que avant que le meurtrier soit démasqué, qu'allons-nous faire ? En général, c'est souvent comme ça dans le jeu de rôle. Hein, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne sais pas, vous avez vu votre meilleure amie embrasser une autre fille, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça, c'est une forme de jeu de rôle aussi. Hein. Vous avez un dragon qui apparaît et vous devez le combattre, comment allez-vous faire pour le combattre ? Et ou alors, vous avez un meurtre, comment vous allez faire pour enquêter ? Et donc là-dedans, en fait, la manière dont j'ai conçu Infinity RPG, c'est que, du coup, après, il y a des quêtes. La première quête, c'est donc le Caporal Bigger. On l'a appelé Caporal, mais c'est vrai qu'il y a TJ Chrome qui nous a dit que c'était peut-être pas le bon statut à utiliser, mais on aime bien ce terme, Caporal Bigger, ça fait un peu... C'est dans l'armée, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, là, c'est un policier. Mais en fait, on aime bien ça, parce qu'on voulait, créer un peu une sorte de... Parce que ce personnage est, en fait, incompétent. Ouais, sergent ou lieutenant. Oui, c'est pas au gradé. Ouais. Et en fait, on l'a envoyé là pour enquêter parce que apparemment c'était le seul disponible pour enquêter. Voilà. Oui, c'est un peu suspicieux, c'est un peu étrange, mais justement, c'est à vous de mener l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Bigger et pas quelqu'un d'autre ? Et en gros, voilà, Bigger est envoyé et c'est lui qui va vous raconter qu'est-ce qu'il voit sur la scène de crime, qui sont les interlocuteurs, les premiers interlocuteurs sur lesquels il tombe. D'ailleurs, ce qui est assez étrange, pourquoi est-ce que c'est la vice-présidente et le président adjoint, enfin le directeur adjoint qui viennent à sa rencontre. Et il trouve des choses suspectes, il dit que c'est bizarre, etc. Et à la fin, il dit « Personne ne sort de l'hôtel, je vais tous vous interroger, car pour l'instant, vous êtes tous suspects. » Et c'est là, en fait, qu'en tant que maître du jeu, vous dites dans la quête qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous allez faire. Donc là, la première chose que nous on demandait en tant que maître du jeu, c'était présentez-vous au Caporal Bigger et dites où vous vous trouviez au moment des faits. N'hésitez pas à raconter votre état d'esprit face à la nouvelle. Donc en effet, vous venez d'apprendre qu'il y a un meurtre dans une soirée qui a lieu dans l'hôtel où vous séjournez, ou auquel vous travaillez. Vous avez forcément une réaction. Soit vous n'avez pas de réaction, pourquoi pas, dites que votre personnage est un peu insensible ou asocial ou sociopathe ou quelque chose comme ça. Ou vous dites que vous êtes vraiment très choqué. C'est à vous de voir. Donc du coup, on a déjà des participants qui sont prêtés au jeu, qui ont écrit plus ou moins de manière... longue ou pas, donc il y a des pavés et d'autres fois un peu plus courts. Hein ? C'est toujours la même qui écrit des pavés. C'est toujours la même qui écrit des pavés, Choupa Choups. Je ne sais pas si tu viens ou pas cet après-midi, mais en tout cas, on pense à toi. Donc vous voyez que chacun à son tour, en fait, vous écrivez les réactions de votre personnage. Vous n'êtes pas tout seul à jouer. Et ça, c'est important. Il faut vraiment. Ça, c'est quelque chose que. Ça, une des erreurs, je trouve, qu'on voit souvent dans le jeu de rôle sur forum, des fois, c'est qu'on a l'impression que les gens jouent un peu tout seuls. Ils écrivent pour eux. Et ils oublient qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va. Il faut lui donner une petite matière, en fait. Ça dépend sur un débat qui est. Effectivement, il faut donner de la matière à l'autre pour répondre. Mais après, si tu vas faire un pavé sur. Oh, la fleur, elle était bleue. Tu fais ton pavé si ça. Ah non, mais tu peux faire ton pavé, mais il faut qu'au moins à la fin, il faut quelque chose qui est interactif, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va répondre après. Même peut-être quelqu'un qui va dire, ah oui, c'est vrai que la rose que tu as décrit, peut-être que lui aussi, il voudra écrire. Moi, c'est pas ça que je critique. Ça, tu peux. Moi, c'est vraiment le côté, il faut donner de la matière pour la personne qui te suit et pour la personne qui te suit aussi après. Sinon, on n'est plus dans l'écriture collaborative. Mais ça peut être un dialogue, ça peut être, par exemple, là, il y a quelqu'un qui dit que diriez-vous que nous essayons d'enquêter ? Donc, c'est assez interactif déjà, mais ça peut être très bien. Nous, par exemple, avec le Caporal Bigger, on peut dire je laisse un indice, à vous de rebondir sur cet indice. Donc, il ne faut vraiment pas oublier d'interagir avec les autres. Des fois, on intervient, donc en tant que maître du jeu. Donc, par exemple, je l'ai dit, n'hésitez pas à interagir avec les nouveaux participants, répondez chacun à votre tour et je donne aussi quelques indices. Avez-vous essayé d'utiliser votre récent cadeau dans l'ascenseur ? Et en fait, il y a quelque chose que l'on a introduit tout récemment, mais apparemment les gens ne s'en servent pas beaucoup, c'est un système de dés. Et oui, il y a des dés sur Infinity RPG. Bon, c'est pas très flagrant, donc peut-être qu'il faut qu'on travaille à le mettre en valeur.
Alors, je fouille parce qu'on a quand même pas mal avancé sur l'enquête. Donc, c'est ici. En gros, sur Infinite RPG, vous pouvez lancer n'importe quel type de dé et n'importe quel nombre de dés. Vous pouvez dire je lance un dé 6. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc, en fait, en gros, vous ouvrez par. T'as créé ton personnage ? Eh bien, j'arrive. Et donc là, il faut que je valide ton personnage. Alors, je vais juste montrer ce que vous voyez en tant qu'admin aussi. Donc, normalement, vous arrivez dans vos jeux de rôle, vous faites gérer mon jeu de rôle, et là, vous voyez qu'il y a Isobel McFarlane en attente. McFarlane, très écossais, en effet. Ou irlandais, non, c'est très écossais, là, la manière. Hop, et donc, vous validez comme ça. Et c'est bon, elle peut jouer. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu as deux manières de jouer. Soit tu vas sur Exquisite Worlds et tu réponds à la quête, donc là qui est en cours, tout en bas dans les intrigues. Soit bah, je vais te faire ton entretien. Donc, je te prépare ton entretien. Je crée une scène libre. Je joue en tant que Exquisite Hotel. Ouh, mais non! Entretien avec. Elle s'appelle comment ? Isabelle. Isobel McFarlane. McFarlane. Ouais. Bon ? Oh, parce qu'on la regarde, c'est tout en. C'est tout en... Voilà, c'est réglé. Le problème réglé. Donc, tu as ta scène, ton entretien qui t'attend dans la bibliothèque. Ou alors, tu as l'enquête qui mène son cours. On a pas mal avancé, mais ça bloque à un moment. On n'arrive pas à passer à la quête 2, mais on va y arriver. Et donc, je reviens à ce que je disais par rapport au dé. Donc, vous pouvez très bien dire, en fait, je veux envoyer 2 dés 20. Donc, il suffit juste de faire entrecrocher 2 dés et 20. Et du coup, ça envoie plein de dés. Enfin, 2 dés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place ? Parce qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant. De ludifier un petit peu l'écriture de cette manière. Il y a déjà une partie ludique parce que vous créez votre personnage, vous jouez avec d'autres personnes, il y a cette partie-là. Et moi, je vous avoue que j'ai toujours joué sans dés. Donc, je trouve que les dés peuvent être intéressants sur certains events, sur certaines intrigues après. Bien sûr. Pour les trucs du quotidien. Bah là, pour le coup, le système de dés, parce qu'on nous a posé la question sur Exquisite Worlds, quel est l'intérêt des systèmes de dés là ? Bah, déjà, un intérêt, c'était pour montrer qu'il y avait des dés sur la plateforme, pour faire la démo. Le deuxième intérêt, en fait, c'était pour débloquer des indices. C'est pour, si vous arrivez à faire un... Donc, c'est des dés 6, parce que je n'ai pas voulu compliquer les choses. Si vous faites 6 bah, et que vous demandez, vous posez une question au Caporal Bigger, normalement, il est censé vous répondre. Voilà. Si vous tombez sur un, bah là, il va éviter, il ne va pas vous répondre, il ne va pas être content même. Vous pouvez même décider finalement que vous voulez fuir la scène. Vous lancez le dé. Et, voilà. Et en fait, il y a Kelly Smith, un des personnages qui a réussi à s'enfuir, enfin, qui voulait s'enfuir. Et en fait, malheureusement, n'a pas été assez réactive. Il y a quelqu'un qui l'a interceptée. Donc voilà. Je lis juste les questions qu'on nous pose. Oh, j'ai déjà 15% seulement sur ma batterie, il faudrait que je la charge peut-être. Ce serait pas une mauvaise idée. Donc juste un instant avant de vous répondre, je vais juste charger mon portable parce que sinon on va jamais y arriver. Oh, je vais peut-être le mettre là-bas. Alors, Jonathan Saran. Vous pouvez partager vos théories sur le crime. Ah, bah Jonathan, en fait, c'est TJ Chrome. Vous pouvez partager vos théories sur le crime hors-jeu sur le forum. Bah oui, donc je vous rappelle que tout ce qui est hors-jeu d'Exquisite Worlds, on a créé un clan pour ça. Et en fait, il y a quelqu'un TJ Chrome, qui mène l'enquête en dehors de son personnage. Et parce que, en effet, c'est une enquête. Hein. Nous, on a proposé Exquisite Worlds pour la bêta, mais c'est aussi, il n'empêche que c'est un jeu. Il y a une vraie intrigue, il y a une vraie scène de crime avec un vrai meurtre. Donc, il faut que vous enquêtiez. Hein. Sinon, on ne va jamais faire avancer. Trick, parce qu'on en est à la quête 1 depuis un an, je crois. Donc, il faut quand même avancer. Alors, oui, parce qu'on a commencé au Festival des Mondes de l'Imaginaire l'année dernière. C'était en mode test après. Il n'y avait pas la plateforme encore. Mais voilà. C'était sur le clan, ouais, directement. En fait, nous, à ce moment-là, on voulait tester de voir si l'univers plaisait. Et en fait, ça plaisait, donc tant mieux. Et maintenant, on peut le faire sur la plateforme. Donc, Tiragrio, en gros, les réponses de notre personnage dépendent de ce que les autres écrivent. Ben, bien sûr, c'est ça. C'est qu'en gros, il faut vraiment lire ce que les autres personnages ont répondu avant vous. Sinon, et c'est vrai que c'est pas évident, surtout là, on a beaucoup de RP qui ont été écrits.
Donc, ce n'est pas évident, mais si vous voulez être vraiment très consciencieux, très perfectionniste, bah, il faut lire tout, tout ce qui a été écrit avant. Comme ça, vous ne manquez rien, aucune action, aucun indice qui a été dévoilé. Ou alors, contentez-vous de lire au moins la dernière réponse avant vous, c'est-à-dire vous allez tout à la fin. Je crois qu'on a un bouton aller à la fin, mais je ne sais plus. Et là, vous voyez la dernière réponse, donc, qui est de TJ Chrome, de Jake Lucas Chrome. Et vous pouvez... donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Kelly Smith qui a fait tomber un carnet dévoilant des portraits des clients et des employés, et entre autres, de la victime. Donc, du coup, le caporal, il n'est pas content. Il dit, pourquoi est-ce que vous l'avez dessiné et tout. Et bon, elle a lancé un dé et en fait, bah, il s'est rendu compte que ce n'était pas utile. Mais il a quand même agrippé fort. Elle a réussi à se débattre grâce à un dé, aussi un jet de dé. Et il y a Jake Lucas Chrome qui s'est interposé pour dire, voilà, on se calme, c'est bon, il y a une enquête, il faut qu'on reprenne le cours de l'enquête. Et voilà. All Crazy, bonjour Infinite, très intéressant le système de dés, hâte d'en savoir davantage. Donc, bah, je vais étoffer un petit peu, il n'y a pas grand-chose non plus à apprendre, hein. C'est vraiment, c'est assez libre finalement, vous faites ce que vous voulez. Nous, on l'utilise donc pour débloquer des indices auprès de Caporal Bigger ou d'un PNJ, un autre PNJ qui s'appelle Samuel Shepard, que je joue. Mais ça peut être... Oui, il s'appelle Samuel Shepard. Samuel le berger. c'est mon personnage préféré. Kelly Smith, elle a utilisé le lancer de dés pour essayer de se débattre, justement, du caporal Bigger. Et elle a réussi, en effet. Elle a lancé son D6. Elle a eu 3, donc la moitié. Donc, je crois qu'elle a réussi à se libérer, mais elle a eu mal, quoi. Voilà. Mais c'est pas... Vous pouvez lancer autant de dés que vous voulez. Enfin, vraiment, c'est... Vous ouvrez un crochet, vous mettez le nombre de dés que vous voulez, donc 1. Vous mettez la lettre D et après vous mettez le type de dé que vous voulez lancer. Si c'est un D6, 20 ou 30 ou 4, ce que j'ai vu récemment un article sur les dés à 4 faces. Donc voilà, c'est assez libre, c'est assez expérimental aussi. Hein, et en fait, depuis qu'on l'a mis en place, on a vu que ça n'avait pas. Enfin, il n'y a pas grand monde qui l'utilise à part dans Exquisite Words finalement. Mais bon, après, à vous de vous en saisir. À nous aussi de le mettre plus en valeur peut-être quand on. Dans notre éditeur de texte. Parce que dans notre éditeur de texte, donc c'est assez classique, on ne voulait pas mettre trop de fonctionnalités pour éviter que ça perturbe. Et, enfin, on ne voulait pas avoir plein de codes aussi, comme sur ce qu'on voit sur les forums. Voilà, donc on voulait mettre juste gras, italique, souligné. On a ajouté à la demande de Choupa Choups et de quelqu'un d'autre la couleur. On a ajouté les smileys, les stickers. C'est pas très utile, mais on s'est dit pourquoi pas. Les listes à puces, les listes numérotées, vous pouvez augmenter les retraits, diminuer si vous faites des citations par exemple. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des liens. Vous pouvez choisir l'alignement, centré, justifié. Vous pouvez mettre une ligne éditoriale, une ligne horizontale. Je suis fatiguée. Hein. On est samedi midi, je rappelle. Attends, il est déjà midi 17. Ok. Et donc ici, peut-être qu'on pourrait l'ajouter, le système de dés, pour que vous ayez juste à cliquer. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, juste, vous mettez le nom de dés, vous mettez la lettre D, et vous indiquez le type de dés que vous voulez. Voilà la manière de jouer sur Infinite RPG, en tout cas. Et je vous invite à regarder Exquisite Words, pour au moins vous en inspirer. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le jeu de rôle, hein, on vous attend. Il y a plein de personnages à créer dans cet univers. On a la fin de la quête 1, on va débloquer la quête 2. Il faut vraiment qu'on sache qui a tué MacPherson quand même. Donc voilà. Pendant que nos deux participants répondent, je vais vous montrer l'envers du décor. Comment on crée un univers du coup ? Parce que là, je vous ai montré comment on joue en tant que joueur. Je vous ai montré comment on interagit aussi en hors-jeu. Donc, il y a le réseau social, il y a les clans. Comment on fait pour créer son propre jeu de rôle ? Bah, déjà, en fait, vous avez un bouton en haut à droite qui est « Créer son jeu de rôle », qui n'est pas très bien mis en valeur, je le sais. Donc, on va aussi revoir ça. Donc, vous cliquez là. Et en fait, c'est tout simple. On vous demande deux choses. C'est le nom de votre jeu de rôle et l'adresse. Donc, en fait, ça va toujours prendre à la fin l'adresse .infinite-rpg.fr, mais on vous demande ce que vous voulez voir apparaître avant. Donc, nous, c'est exquisite-words.infinite-rpg.fr, mais vous avez juste à indiquer le début, je crois. Donc, voilà, et
faites test RPG et j'accepte. Encore une fois, vous êtes libre d'aller lire les conditions générales d'utilisation et vous cliquez sur « Je crée mon jeu de rôle » et c'est fait. Et vous arrivez donc dans l'envers du décor. Je vais vous montrer ce que je vois moi dans Explicit Words. Donc ça ressemble à ça. Ça ne va pas trop changer cette interface. Il y a juste des choses qu'on va changer, c'est-à-dire l'accès rapide. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il manquait un peu de guide pour vous orienter vers la création du jeu de rôle. Donc, ce qui va changer, c'est qu'on ne va plus avoir les accès rapides, on va vraiment avoir les étapes de par où on commence quand on crée un jeu de rôle. Donc, je vais juste mettre à jour ça, mettre à jour la charte graphique aussi. Enfin, voilà ce qui va changer. Une fois que vous arrivez ici, donc du coup, ce par quoi vous pouvez commencer, c'est les informations générales. Vous allez dans « Général »,« Informations ». Vous mettez donc ce qu'on appelle la couverture de votre livre de jeu de rôle. C'est ce qui apparaîtra dans les Infinite Words, dans la bibliothèque de jeu. Donc c'est ici. Donc c'est vraiment important. Il faut que ce soit un visuel qui intrigue et qui attire vos joueurs. Le nom du jeu de rôle, donc que vous pouvez changer. L'URL, par contre, ça, vous ne pouvez pas le changer une fois que c'est fait, c'est fait. Sinon, envoyez-nous un mail ou postez sur notre clan. Bêta et Infinite RPG Community. La description courte, il ne faut pas que ça dépasse moins de 110 caractères. Encore une fois, c'est pour Google, c'est pour le référencement naturel. C'est pour vous aider à le positionner sur Google pour que votre jeu de rôle soit visible. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes Pierre, c'est ça, non? Non, j'ai pas eu ton message. Ah. C'est ça. J'ai répondu au message et j'ai dit oh, bah non, on ne peut pas répondre parce que ça ne marche pas. Oui, pourquoi ça ne marche pas? J'ai répondu, j'ai fait OK, mais j'ai eu l'impression que ça n'envoyait pas les messages. Ah, je crois que c'est leur Ulule là. J'avais envoyé un message à Jean. Jean qui est là, il va voir que je grogne. Et ben, en tout cas, j'ai certaines de tes contreparties. J'ai juste pas le t-shirt, mais il arrive cet après-midi. T'es encore là toute la journée? Oui, même demain. Je vais juste te faire la bise parce que. Donc c'est Pierre Rosenthal qui est un contributeur. Et qui est un grand rôliste. À chaque fois qu'il y a eu des trucs comme ça, ça tombait mal. Ça tombe forcément toujours mal parce que moi, je ne suis pas chez moi à Paris avant 19h30. Ah oui, c'est. Et puis les vendredis, les 5 ou 6 vendredis, c'est passé. C'est à chaque fois, j'allais caler, faut que je voie un copain, faut que je fasse un truc. Oui, le vendredi. Là, on a changé, maintenant, ce sera les mardis et les mercredis soirs. Comme ça, tu as toutes les dates pour les prochaines rencontres si tu veux qu'on se revoie encore. Et il y a plein de dates à venir. Après, je le soutiens parce que je trouve que le projet est sympa et des trucs comme ça. Mais honnêtement, je ne suis pas très textuel. Oui, j'avais cru comprendre. Mais en fait, là, c'est. Après, je trouve l'initiative sympa, je trouve le principe bien, mais c'est pas mon truc. Bien sûr, non, mais. Ça m'empêche pas de soutenir. Voilà. L'idée, nous, c'est à la base, c'est un réseau social pour tous les rôlistes. Oui, quel qu'il soit, comme ça ils peuvent échanger sur leurs différentes expériences. Quelqu'un qui fait du jeu de rôle textuel peut parler avec un jeu de rôle, quelqu'un qui fait du jeu de rôle sur table. Et en fait, les ateliers que je propose, c'est des ateliers d'écriture inspirés du jeu de rôle. Il y en avait un qui m'avait intéressé, mais j'avais déjà pris d'autres trucs comme ça. C'était sur la cartographie. Ouais, elle était simple. Mais on va la refaire à la rentrée. Et ce sera soit le mardi, soit le mercredi soir. Mmh. Plus le vendredi soir, c'est fini. Vendredi soir, on a compris que ce n'était pas possible. Ah oui, je ne devais pas être le seul à dire que... Non, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Mais France aussi, il renonce. Il y a longtemps, je faisais jouer même au jeu de rôle chez moi le vendredi soir et on a arrêté. Oui, vendredi soir, c'est particulier. Parce que, déjà, moi, je peux faire jouer qu'une fois tous les deux mois maintenant avec tous les copains, les enfants, les études, les trucs comme ça. Et on a décalé au jeudi, on y arrive à peu près de temps en temps. Et le vendredi, on ne pouvait plus jouer qu'une fois tous les 6 mois. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait du... Enfin, je trouve que le jeu de rôle textuel permet aussi... Oui, voilà, il y a un côté asynchrone. C'est un côté, justement, tu n'as pas le temps. Bah, là, au moins, c'est en ligne. C'est pour ça que je vois des gens qui essayent des rôles 20, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Mais... Mais il y a Renaud de Rollisteam qui est par là en fait, qui est en train de masteriser une table. Donc il fait aussi des tables physiques en dehors de Rollisteam. Mais voilà. Mais donc les contreparties que j'ai pour l'instant à te remettre. Donc j'ai ça, j'ai un stylo autant que tu veux, voilà. J'ai ça tu choisis. J'en ai même I Love JDR en batch si tu veux. Oui, en fait comme je n'ai pas des lettres, je préfère que tu les laisses et que tu me donnes à quelqu'un. Je préfère être ou, un, dire, ou regarde un porte-clés. Ça peut toujours être utile, mais c'est comme tu veux. Non. Mais par contre, stylo, ça c'est. Et puis par contre, les calepins, ça, j'adore ça. Et en plus, il est beau. Hein. Non, parce que j'ai toujours des calepins pour noter des trucs différents, variés. Bah, tiens, prends un autre stylo comme ça si tu ne prends pas de badge. Prends autant de stylos que tu veux. Et du coup, il y a aussi ça. J'ai plus de. Attends. À chaque fois, j'oublie de prendre des enveloppes. Je vais demander à mon copain qui va venir. J'espère qu'il n'est pas parti. Je vais lui dire
d'amener. Yannick, tu peux amener. Est-ce que tu es là toute la journée sinon? Et demain. Ok. Non, demain je ne serai pas là. J'ai des trucs à faire. Tu peux non, amener. Je pense que je vais, comme ils ont déplacé les conférences de 11h à 15h. Ah merde. 11h, 15h, là c'est ce que je voyais là. Je voulais voir le truc sur ma fille. Ouais. Bah oui, mais moi je passe à 15h30 normalement, donc ils décalent après, du coup. Je ne sais pas, moi j'ai faut que j'aille voir. Un truc. Tu vois que les organisateurs. Mm-hmm. Oui. Il faut que je vois avec Marie et Jean. Parce que je voyais là, je ne sais plus comment ils s'appellent, Nel de. Oui, Nel d'Esteren, oui. Je lui dis, ah, mais on n'est pas en conférence. Mais oui. Non, non, ils ont tout décalé, c'est plus ah, tard. D'accord, ok, bon, bah. Et là, je viens de monter, et là, il y a marqué à l'endroit où c'était censé avoir, il y a marqué oui. La conférence de 11h est déplacée à 15h. À 15h, donc du coup, moi, 15h, c'est après, des. Après, je sais. Faut que je fasse des maths. Tout, bah oui. Ou s'ils ont deux salles, ils font des trucs en parallèle. Je suis vraiment contente de te rencontrer, c'est fou de te voir en vrai. Je t'avais vu l'année dernière. Au festival, ici. Ici. À la conférence. Oui, j'avais vu ta conférence et puis il y avait aussi la conférence après sur, comment dire, il y avait Louinet, Nicolet et Truchot. D'accord. C'était la première conférence, non? C'était la première édition? Non, je ne sais plus. Non, non, l'année dernière, il y avait toi, mais il y avait aussi le truc sur les éditions Néo. Ça ne me dit rien. Ça dit quelque chose. Hein? Ah, les éditions Néo. Mm-hmm. Hein? Un truc. Ouais, éditions Néo. Ouais. Je me souviens. Les éditions Néo. Ouais. Les premiers qui ont réédité du Howard, ouais, du Lovecraft, du Ashton, voilà. Voilà, ça, c'est cool. Donc tu as ça et tout à l'heure mon copain amène des belles enveloppes parce que sinon ça va s'abîmer sinon ouais. Pour avoir ton dessin, ton illustration et ton t-shirt aussi arrive. XL. L. Ah. Il y a L, mais ils sont très longs. Bon d'accord. Voilà. Non, t'inquiète pas, moi aussi. Voilà. mon copain aussi. Moi j'espère un jour revenir au L, mais plus ça va, moi j'y crois. C'est un grand L, franchement, ouais, c'est. Ouais. J'ai pris que des L, j'ai pris quelques M, mais ouais. Les M, même moi, ils me. Enfin, c'est un peu. Voilà. Donc c'est taillé grand, en fait. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que je peux prendre une photo? Oui, bien sûr. Parce que, quand même. Hop. De toute façon, tu repasses, hein, donc on a le temps de se revoir, mais hop. Et après, je vais reprendre mon tutoriel en ligne. C'est vrai que. Ben, c'est comment ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai un joli t-shirt. Ah, bah oui. Ah oui, Gorilla, c'est tout. Voilà. Alors, fais comme ça, un petit selfie. Attends, je vais juste l'envoie mon double menton. Je vais refaire moi aussi, j'ai pris du bidon là. 1, 2. C'est bon? J'ai l'impression que ça marche. Ça marche? Ça, je ne sais pas. je n'ai pas l'impression d'avoir vu le. Ah si. C'est bon. Voilà, là c'est mieux. Là aussi, c'est encore mieux, je crois. Voilà, j'aime bien. Ouais. Ça te va? Parfait. Super. Ouais, parce que j'ai vu des t-shirts en bas, je pense que je vais me prendre un de leurs trucs, Jules Verne. Ah oui, je vois le stand au premier étage. Ouais. Ok. Bah, tu repasses du coup tout à l'heure. Oh, comme oui. Ça, j'aurai ton t-shirt, j'aurai ça et comme ça, voilà. Et là, on est en train de faire l'atelier d'écriture en ligne et en live sur YouTube. Donc là, c'est pour ça qu'on entend tout ce que je dis depuis tout à l'heure. voilà. Bah, tout à l'heure. Oui, d'accord. On bouge pas de toute façon. Enfin, si on va manger, mais d'ailleurs, faudrait pas qu'on tarde. De toute façon, t'as terminé d'écrire. À tout à l'heure, Pierre. t'as posté dans lequel, dans ton entretien? Ok. Bah ouais. Ok, je te poste la suite. Est-ce que tu veux participer à la quête ou plus tard? Parce qu'il y a pas mal de choses à lire. Plus tard. Tu vois, il n'y a pas grand monde qui a répondu à. Enfin, il n'y a pas beaucoup grand monde en entretien, en employé, finalement. oui. Voilà. Je regarde juste si j'ai pas eu d'autres réponses. Bon, ouais, en fait, il faut que tu lises parce que moi, j'ai pas dit. Ok, d'accord, c'est pas grave. Je vais juste éditer mon poste parce que moi, j'ai dit que j'étais déjà dans la bibliothèque. Ah non, non, là, c'était le début de ta journée jusqu'au moment où tu arrives à la réception. Alors, all crazy, oh d'accord, merci d'avoir étoffé, cela m'a bien éclairé, nous allons essayer cela dans notre événement. Bah, n'hésite pas à me dire aussi, all crazy, du coup, ton jeu de rôle, à me dire l'événement que tu proposes, si tu veux que je relaie
sur Infinite RPG. Solnor, qui de... Alors, comment utiliser le lancer de dés? Je le redirige vers quoi? En fait, tu le postes dans, quand tu crées un RP en fait, sur Infinite RPG, quand tu écris là, ici, c'est dans ta réponse, ou quand tu crées ta scène libre, ou quand tu crées ta quête, etc. C'est là que tu lances ton dé. Tu ouvres le crochet, tu fais 1, le nombre de dés, donc 1 dé, tu mets dé, tu tapes le nombre, enfin le type de dé que tu veux, ça fait 1 dé 20. Et bonjour, Solnor, sur le live. Et du coup, on verra. Bonjour, David, c'est ça? Ouais, bonjour, ça va? J'ai David Robert du FFJDR qui vient, qui passe. Je suis sur YouTube en direct. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, on s'était vu l'année dernière aussi. Bonjour YouTube. Ça va bien? Ça va, ça va. Bienvenue sur le stand Infinite RPG avec nos ateliers d'écriture en live sur YouTube et en live ici. Ouais, c'est chouette. On essaye de faire en sorte que, normalement, ça se passe bien. Nous, nous sommes en train de déguster la bière Féon. Ah oui. Voilà, de Stéren. Et ensuite, nous allons nous alimenter afin de prendre des forces avant de peut-être maîtriser une partie de jeu de rôle. Ah, d'accord. Vous avez dans les sous-sols, là, c'est ça? Oui, ouais, dans la cave. Dans la cave. Ok, ouais, c'est cool de vous voir en vrai. Enfin, on s'était déjà vu l'année dernière, mais au moins, je pense que comme je t'ai harcelé sur Facebook récemment. Continue, vas-y. Ok, tant mieux. Bah, tu vois, Ronan, David faisait partie du jury du concours Saint-Valentin, avec les textes érotiques. Oui, c'est vrai que j'étais dans le jury de la Saint-Valentin, ouais. Beaucoup de lectures. Ouais, c'était sympa. Oui, c'était ouais, intéressant. Ça m'a bien plu. Ça change un peu, quoi, comme plaisir. Ouais. Et en plus, on a désigné les gagnants et tout. C'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'évaluer des scénarios de jeux de rôle. Oui. Et là, c'était plutôt des scènes. Quoi. Des scènes, ouais, c'est ça, exactement. Des scènes, ouais. de jeux de rôle, finalement. Il y avait de la qualité, en plus. Hein. Il y avait des belles choses. Il y avait des beaux textes et qu'on va retravailler ensemble bientôt. Parce que les participants, en fait, on va essayer de faire une anthologie, une nouvelle, en fait. Mais on va essayer à voir si on peut publier ça. Et, c'est un challenge parce que c'est pas évident. Il faut harmoniser. Ils n'écrivent pas tous de la même manière. Donc, ça va être intéressant d'un point de vue éditorial, je pense. Oui, le travail d'éditeur à faire derrière. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est cool. On peut jouer là-dessus. Les personnages, donner une ambiance. Bah, on va voir parce qu'ils sont pas tous dans des ils sont dans des univers tous différents. Ouais. Il y a des gens qui ont un peu un univers manga, d'autres qui ont des univers un peu presque divergentes, un peu. Enfin, donc oui, ça va être des façons d'approcher qui sont très diversifiées, donc trouver une cohérence, c'est du boulot. Ça va être rigolo, je pense. Faut le voir. Je voulais vous donner des petits flyers. Merci beaucoup. Bon, il y a aussi ça, mais. Mais ça, c'est pour les ateliers, en fait, parce qu'il y a des rendez-vous tous les mois qu'on va faire au Labo L'Édition. Vous êtes les bienvenus. Il y a mardi, c'est ça que je t'avais demandé, je crois que si mardi, tu pouvais venir aussi. Ouais, parce que semaine, je suis rarement sur Paris. D'accord. C'est tous les week-ends. Parce que là, j'ai trouvé un petit peu de travail sur Angers. Mm-hmm. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas à côté. Non. Voilà. Mais au moins, vous avez les plaquettes. Et puis, peut-être des badges. En tant que partenaire. Un petit badge. Petit badge. J'ai aussi un badge I Love JDR si vous préférez. Oh oui, il est bien, ouais. Ouais. Ou sinon, comme ça. Je sais pas si qu'est-ce que tu préfères. Et Oh, j'en ai plein, hein. Il faut pas, t'inquiète pas. Ça, c'est parfait. Voilà. Il y a soit en porte-clé, soit en badge. Je pense. Ah bah vous avez le même, mais pas en. Voilà. Voilà, un badge en porte-clé. Et vous êtes là toute la journée? Ouais. On peut se retrouver tout à l'heure, du coup. Et je vous donne ma carte aussi, mais je pense que vous avez déjà mes contacts. Un petit message sur Messenger. Sur Messenger, ouais. Hop. Comme ça, voilà, je m'alerte. Ouais, je me mets en mode vibreur. T'as tout l'attirail pour me joindre. Et pour, oui, parce qu'en fait, tu peux appuyer dessus et tu es connecté avec moi. C'est beau. Oh là là, la première est déjà là. Waouh, génial. Tiens. Super. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est classe. Trop bien. Ah oui, elle est belle, cette carte. Ouais, c'est chez Mou, je fais un peu de pub. Voilà. Super. Okay. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Bien, à tout à l'heure. Bah oui, à tout à l'heure. On va terminer notre atelier et on va enchaîner, on va aller manger parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Ok, bah à tout à l'heure. Salut. Alors. Non, mais c'est très bien. Comment? Je reviendrai peut-être dans l'après-midi, mais j'ai rendez-vous. Ouais, chez l'autre. Ouais, tu m'avais dit. Ça va aller? T'as terminé? Ma mère vient me chercher entre 13h et 13h15. Je vais pas continuer. Ouais, on va aller manger plutôt, non? Ce que je vous propose, les personnes qui nous suivent en direct, bah, là vous avez vu comment on joue sur RPG. Ah bah attends, il y a juste une dernière question. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Alors, il y a Al Crazy. Pourquoi ne peut-on pas mettre de symboles caractères spéciaux sur les articles de la plateforme? Cela met souvent des points d'interrogation. Oui, effectivement. C'est vrai que, les, par exemple, les emojis, on ne peut pas non plus. Bah, ça, c'est un bug. Donc, on, il faut... Ouais, il faut, faut... Il faut que vous mettiez, nous, nous l'indiquiez dans les bugs. Tira Grigo, comment ça se passe si certains joueurs, lors d'une partie, ne répondent pas? Faut attendre leur, leur réponse ou continuer? Ah bah, quand ça arrive, et bah, t'attends. Et, ou... jamais, bah, tu et voilà, et si ça répond pas, bah, tu continues, tu passes outre. En fait, tu peux toujours essayer de voir si jamais la personne a disparu complètement, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le relais, du genre quelqu'un qui débarque et l'autre, bah, elle est partie. Enfin, tu dis vite fait que vous l'avez perdu de vue. Je ne sais pas si vous entendez France. France suggère, donc en effet, donc, en général, on attend. Ça peut être une attente longue, ça peut être une attente. Il faut convenir entre vous quand est-ce qu'il va répondre. Et s'il ne répond pas, et bah, vous, vous trouvez quelqu'un remplaçant ou vous passez outre. Sinon, vous continuez. Et c'est vraiment, c'est ça l'écriture collaborative. Ce n'est pas évident. On dépend les uns des autres. C'est vrai que c'est super intéressant, mais ça peut être aussi très frustrant. Nous, on va devoir les manger. Si vous voulez, moi, je vous propose qu'on, qu'on reprenne pour la création de jeux de rôle, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, mais au moins, vous avez vu comment on joue sur Infinity RPG, comment on écrit ensemble. Et voilà. OK ? On reprend tout à l'heure vers 13h30. Ah, pardon, je ne sais pas calculer. 13h30, OK ? Allez, 13h30 tout à l'heure et on reprend. Carrie, Kimi, si tu m'entends, si tu peux relayer, voilà. Merci, à tout à l'heure. On reprend tout à l'heure. 13h30. Je ne suis pas sûre qu'il y ait... Peut-être leur dire une autre fois.